acting upon is really everyone's fear of the Holy Spirit. La peur dont tu parles, c'est vraiment la peur que tout le monde a du Saint-Esprit. Because even though people's lives are not happy and fulfilled in time, parce que bien que la vie des gens ne soit pas vraiment heureuse et vraiment pleine de contentement, there is a familiarity to linear time. Il y a une familiarité avec le temps linéaire. And the Holy Spirit is associated with the unknown. Et le Saint-Esprit est associé avec l'inconnu. Something that will be completely different than anything in time. Quelque chose qui va être complètement différent de quoi que ce soit qui soit dans le temps. In the state of heaven, the mind is naturally in a state of peace. Dans l'état du ciel, l'esprit est naturellement dans l'état de paix. But the first fear that seemed to be experienced was the fall from grace. La première peur qui semble avoir été expérimentée, c'était la chute de la grâce. And it was a tremendous shift in mind. Et c'était un terrible changement dans l'esprit. From loving and peaceful and happy to terrifying and frightening. De aimant à joyeux et heureux et en paix à terrifié et perdu. So each step that you take with the Holy Spirit will have some reverberations of fear associated with it. Donc chaque pas que tu vas faire vers le Saint-Esprit va avoir certains reflets de cette peur qui sera associée avec cela. Because even though you are awakening from a nightmare, the ego is afraid of this awakening. Parce que bien que tu es en train de t'éveiller d'un cauchemar, l'ego est effrayé par cet éveil. It's afraid that it will be annihilated. Il est effrayé qu'il sera annihilé. It's afraid that it will cease to exist. Il est effrayé de cesser d'exister. And that's why sometimes people will refer to A Course in Miracles as brainwashing. C'est bien pour ça d'ailleurs que certaines personnes vont parfois parler du cours en miracle comme un système pour laver le cerveau, de lavage de cerveau. To the world, brainwashing is terrifying because it is losing a sense of control over your own thoughts. Pour le monde, c'est vraiment terrifiant le lavage de cerveau parce que c'est l'idée de perdre le contrôle sur vos propres pensées. When people say to me, "It sounds like brainwashing," I will say, "Oh, it is mindwashing." Quand les gens me disent ça ressemble vraiment à du lavage de cerveau, je vais dire, ah ben c'est vraiment du lavage d'esprit. But you don't need to be afraid of it. Mais tu ne dois pas en être effrayé. You just need to surrender into it. Tu dois juste te donner à ça. So, it does come down to the issue of control. Et donc ça revient vraiment au souci de contrôle. And that's really what George Orwell's novel is about. It's about the fear and control. Et c'est vraiment de cela qu'est l'histoire dont tu parles, de la peur et du contrôle. To the ego, the Holy Spirit is controlling. Pour l'ego, le Saint-Esprit est contrôlant. To the ego, the Holy Spirit is dismantling its whole world. Pour l'ego, le Saint-Esprit est en train de détruire son monde entier. But let us take for a moment time to look at the difference between the ego and the Holy Spirit. Nous prenons un moment pour regarder la différence entre l'ego et le Saint-Esprit. The Holy Spirit never commands and never demands. Le Saint-Esprit ne commande jamais et ne demande jamais rien. The Holy Spirit only offers suggestions and reminders. Le Saint-Esprit offre simplement des suggestions et des rappels. The Holy Spirit offers helpful instructions. Le Saint-Esprit offre des suggestions utiles. But you can always tell that it is the ego in your mind if it feels like a threat or a command or a demand. Mais vous pouvez toujours vous dire que c'est l'ego dans votre esprit si ça semble être comme une demande, une commande ou une menace. The Holy Spirit never offers an ultimatum. Le Saint-Esprit n'offre jamais d'ultimatum. Because that would be coercive. Parce que ce serait coercion. And the Holy Spirit does not use force, does not force anyone.
Le Saint-Esprit n'utilise pas la force, il ne force personne. The Holy Spirit must wait until you voluntarily offer the thoughts and beliefs to him. Le Saint-Esprit attend que vous lui offriez volontairement toutes les pensées. So in this sense, the Holy Spirit is different from Orwell's Big Brother. Et donc en ce sens, le Saint-Esprit est vraiment différent du Big Brother de Orwell. Because that Big Brother is based on control. Parce que ce Big Brother est basé sur le contrôle. And the Holy Spirit is based on giving up control. Et le Saint-Esprit est basé sur abandonner, lâcher prise du contrôle. Now there is a positive use of the word control in A Course in Miracles. Il y a une utilisation positive du mot contrôle dans le Cours en Miracles. Jesus says that you can control the direction of your thinking. Jésus dit que vous pouvez contrôler la direction de vos pensées. Meaning you can actually train your mind to align with God and the Holy Spirit. Ce qui veut dire que vous pouvez actuellement entraîner votre esprit à penser avec Dieu et le Saint-Esprit. Instead of the ego. Au lieu de penser avec l'ego. And there's another use of control that's very helpful in the Course in Miracles. Et il y a une autre utilisation du contrôle qui est très utile dans le Cours en Miracles. Jesus says, "You have no control over the world you made." Jésus dit, vous n'avez aucun contrôle sur le monde que vous avez fait. And that is implying that true happiness comes from surrender of control. Et ça implique que le véritable bonheur vient du fait de rendre le contrôle, de lâcher. It would be like going to a movie theater and watching a movie. Ça devient comme aller au cinéma et regarder un film. And the ego would say, you could talk to the characters and say, no, stop doing that. I want you to do something different. Et l'ego vous dit, ce serait comme parler au personnage dans le film et dire, non, arrête de faire ça, moi je voudrais que tu fasses quelque chose d'autre. But the Holy Spirit knows that it's a movie, and the movie has already been filmed. Le Saint-Esprit sait que c'est un film et que le film a déjà été filmé. And this is why you cannot control people. Or behaviors. C'est bien pour ça que vous ne pouvez pas contrôler les gens ni les comportements. It is even frustrating if you think you have direct control over your own body. Même frustrant si vous pensez que vous avez du contrôle sur votre propre corps. You think I should be able to make it lose weight or be more fit or whatever. Ça peut être frustrant de penser je devrais être capable de lui faire perdre du poids ou de le rendre plus en forme ou quelque chose comme ça. But the body is part of a prearranged script. Et le corps fait partie du script qui est préarrangé. And again, you can only control the direction of your thinking. Et encore, vous pouvez simplement contrôler la direction de vos pensées. This is why behavior modification never really works. C'est pour ça que les modifications comportementales ne fonctionnent jamais vraiment. So you quit smoking or you lose weight. The ego says, "Oh, I have many other problems we can throw in here." Par exemple, vous pouvez arrêter de fumer ou perdre du poids et l'ego revient et vous dit, "Oh, il y a plein d'autres problèmes avec lesquels je peux revenir." You spend 10 years losing 40 pounds, you quit smoking and you're still as angry as you were at the beginning. Vous avez passé 10 ans de votre vie à perdre environ 20 kilos et vous avez arrêté de fumer et vous êtes toujours aussi en colère qu'au début. And that's why Jesus says it's with your thoughts that we must work. C'est pour ça que Jésus dit c'est avec vos pensées que nous devons travailler. We have to change the way that you think. On doit changer la façon dont vous pensez. From thinking with the ego to thinking with God. De penser avec l'ego, passer à penser avec Dieu. And when your thinking is aligned, the form will be irrelevant. Et quand vos pensées sont alignées avec Dieu, alors la forme va être tout à fait pas importante. Do you really think Jesus was ever concerned about his hair or his weight? Est-ce que vous pensez que Jésus a jamais été concerné par sa coiffure ou par sa la façon dont il s'habillait. You know, imagine he says to Peter, John, I'm having a bad hair day today. Imaginez-le dire,
Pierre, Jean, j'ai un mauvais jour aujourd'hui avec mes cheveux. Or stop feeding me. I've put on 20 pounds. Ou arrêtez de me nourrir parce que je viens de prendre 10 kilos. I have manna from heaven and I'm not going to listen to you anymore. Je viens du ciel et je ne vais plus vous écouter. You know, it seems funny because it's really the thoughts. It's about changing our thinking. C'est vraiment marrant parce que c'est juste à propos des pensées. Ça vient. Tout ce qui est important, c'est vraiment changer nos pensées. So if you follow what I'm saying, you'll see that you can stop worrying about behavior. Donc si vous suivez vraiment ce dont je suis en train de parler, vous pouvez vraiment arrêter de vous préoccuper à propos du comportement. Because what you do comes from what you think. Parce que ce que vous faites vient de ce que vous pensez. And if you hear what I'm saying, you'll devote all your attention and effort into mind training. Et si vous entendez ce que je dis, vous allez dévouer tout votre temps et votre attention à l'entraînement de l'esprit. So, I reached a point in my life where I realized that I was going to put all my effort into mind training. Et donc j'ai vraiment atteint un point dans ma vie où j'ai décidé de dévouer tout mon temps et mon attention pour l'entraînement de l'esprit. Before that, I was into physical fitness. I played tennis and golf and basketball. I went weight training, you know, did all the stuff to try to improve the body. Avant ça, je faisais du fitness, je jouais au tennis, j'essayais de tout faire pour maintenir la bonne santé, le bon fonctionnement du corps. But once I started doing the course, I realized that I needed to put all of my effort into mind training. Mais une fois que j'ai commencé le cours, je me suis vraiment rendu compte que je devais mettre tous mes efforts dans l'entraînement d'esprit. Before the course, I would go to movies to escape from the suffering in my life and distract away. Avant le cours, j'allais au cinéma pour me distraire de la souffrance que je vivais dans ma vie et des choses que j'avais pas envie de regarder. And after the course, I would go to movies to let my emotions come up and to pray throughout the movie and ask the Holy Spirit to show me what I needed for healing. Et après le cours, j'allais au cinéma pour permettre aux émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de moi de remonter. Et je priais pendant le film de demander demander au Saint-Esprit de me montrer, ce qui était prêt à être guéri. Before the course, I hated to travel. Avant le cours, je haïssais voyager. But after the course came into my life, I was willing to do whatever would be helpful for the healing of my mind. Et après, une fois que le cours est entré dans ma vie, j'étais désireux de faire quoi que ce soit qui pourrait être utile pour la guérison de mon esprit. So this body has traveled tens of thousands of miles, but it's been fun. Donc ce corps a voyagé des dizaines de milliers de kilomètres, mais ça a été très très bien. So it really comes down to the mind training, just the willingness to do the mind training. Ça revient simplement à l'entraînement de l'esprit, à la volonté de pratiquer l'entraînement de l'esprit. And you learn to trust the Holy Spirit and let go of trying to control anything in the world. Et vous apprenez à faire vraiment pleinement confiance au Saint-Esprit et arrêter d'essayer de contrôler quoi que ce soit qui se passe dans le monde.